Merde, c'est en jap. Fais chier. Bandai Namco Games. Konnichiwa. Bandai, Tamane. Grey's World. Ah bon, ça c'est bizarre par contre. Motion Patrol. Je fais tout avec l'accent hindou. Grey's World. Non, là ça part hindou. Hein. Le héroïsme à la fin me fait toujours triper. La promesse de... Suzumiya Haruhi no yakusoku. Ah, c'est tout le dé. Alors, la promesse de Suzumiya, c'est parti, mes vieux. Et ça marche? Ah, c'est start. Start, c'est espace, ok. Alors, on se retrouve pour, donc, pour ce jeu qui est en anglais. Putain, j'aime bien ces options, quoi, c'est... ça ne se fait qu'une fois que t'as validé le truc. C'est quoi ces options de merde, hein, honnêtement? Je sais pas vous, hein. Non, mais moi, ça me fait rire, hein. Les options. Bon, voilà. C'est bon, là, les trucs sont baissés. J'espère que vous entendrez quand même pas mal de choses, parce que ça pétait un peu les oreilles. Alors, bonjour, donc on se retrouve pour la promesse de Haruhi Suzumiya. Donc, la fameuse série de Nagaru Tanigawa, qu'on peut voir en bas, hein. Voilà, avec la Brigade SOS, tout le tralala. Je vous ai fait un peu le teasing le mois dernier avec le... Le live extraordinaire sur le forum d'Intelisat, le premier, et peut-être le dernier, je ne sais pas encore. Voilà, et donc on va partir sur ce let's play. Ça va être un bon let's play bouche trou sucée où j'ai pas trop besoin de me faire chier au montage. On va se marrer, tu vois, en plus avec des épisodes 20 minutes, comme ça permet de renflouer les trucs. Voilà, c'est cool. Et donc c'est en anglais. Il n'y a pas de patch français. C'est déjà bien qu'il y ait un patch anglais, parce que le jeu n'est pas anglais à la base, il est japonais. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'on se fait pas chier pour les jeux qui ne sont jamais sortis en France. Ah, là là. Il y a ça, il y a des jeux Slayers aussi, putain. Tous ces jeux. Ça fait chier. Vous n'aurez pas besoin d'avancer le tag, vous pouvez changer. Vous n'aurez pas besoin d'avancer le texte. Non. Oui. Ouais. Ouais, je veux pouvoir passer le texte, hein. Alors, on va voir les doubleurs originaux. Alors, si vous connaissez pas Haruhi Suzumiya, c'est une mauvaise idée de regarder cette vidéo. Hein, ce let's play. Sauf si vous voulez que vous donnez envie de regarder le truc. Mais vous allez risquer de rien comprendre. Je vais essayer d'expliquer un peu, mais quand même, ça va être chaud, hein. Sa mère. Alors ça, c'est Haruhi Suzumiya. Avec sa bonne tête. Bonjour, j'en impose. Malgré mes 1m57. Alors, est-ce que je me fais chier vous traduire? Ouais, vas-y. C'était dimanche. Ah, au début de l'été, le soleil y brillait bien.
En tout cas, si vous avez suivi mes récentes vidéos, vous devez beaucoup en avoir... Vous devez au moins en avoir entendu parler d'Haru Suzumiya. J'en ai beaucoup parlé dernièrement dans les tops, dans les trucs comme ça. Donc voilà, on fait un let's play, hein. C'est la belle conclusion de truc. Alors, il y a quelques jours, Haru Suzumiya et moi, nous sommes échappés de l'espace, d'un espace clos. Qu'est-ce qu'un espace clos? C'est un espace que peut créer Haru Suzumiya, parce que Haru Suzumiya, c'est Dieu, littéralement. Bon, c'est pas vraiment Dieu, parce qu'en vrai, ses pouvoirs, elle les a eus de quelque part, hein. Il y a une autre meuf qui a aussi les mêmes pouvoirs, ça tu le sais dans le roman, si tu le lis, parce que c'est un roman à la base, qui a ensuite été adapté en manga, même si je suis moins fan des dessins du manga. Et donc en animé. Je crois d'abord en animé avant d'être en manga. Ce qui est rare, hein. Roman, animé, manga, voilà. Dans l'ordre, puis film, à la fin. Le film est super, je vous conseille d'aller le voir, hein. Mais d'abord, allez regarder le reste. Voilà. Et regardez ce bon let's play. La petite musique détente. Eh, celle-là, il me la faut. Ouais, putain, il me la faut, limite, pour l'autre émission, là. Pour le prochain épisode. Ouais, faudrait que je pense. Je suis toujours en train d'écrire, mais là, je bloque. Parce que j'ai du mal à trouver des extraits pour l'émission, c'est l'histoire de... Ouais, là, je bloque pour la scène du dortoir avec Barry. Il faut que je trouve un extrait. Parce que j'ai l'extrait de fin, mais il me faut un petit truc de dialogue de début pour quand elle le retrouve. Mais bon, on n'est pas préparé ça. Alors ne me demandez pas comment, mais je m'en souviens pas, qui êtes-vous? On dirait une musique d'ascenseur. Alors oui, le mot final de toute façon, hein, a décidé que la brigade SOS voudrait... parfumer une seconde patrouille de la ville dans l'ordre de trouver des trucs qui vont pas. C'était le plan, mais... Alors pour une raison ou une autre, je sais pas si c'est une étrange coïncidence ou un gros pouvoir au travail, voilà, un super pouvoir au travail, mais tout le monde a annulé à la dernière minute. Donc, Haru et moi, nous sommes les seuls à... qui attendons pour te voir. Oh, entre couples, c'est mignon. Elle fait la gueule direct. Haru et Suzumiya, c'est bipolaire. Hein. C'est un coup, elle peut être en mode grosse dépression et l'autre coup, super cool. C'est... Elle change d'humeur, c'est impressionnant. C'est le personnage. Elle ne semble pas heureuse, et je ne suis pas surpris. Alors la dernière personne qui arrive, ben, paye pour les autres à la table, voilà. Et depuis que ben, que les autres ne viennent pas, ah oui, elle-même a établi que cette... Alors, pour garder tous les autres... Ah oui, pour garder les autres en dehors du truc, cette règle ne s'applique qu'à la brigade SOS. Mais, ouais. Ah oui. Et t'es arrivé avant. Depuis que nous sommes tous les deux à attendre le truc, c'était évident. Ah oui, va devoir payer. Ah, oh, j'ai un café glacé. J'ai un iced tea. Prendre un café au lait. Elle a donné l'ordre à moi, ce qui veut dire que je dois dire au vendeur l'ordre. Donc, tu es celui qui va devoir choisir de payer, voilà. Je pense pas que ça veut dire autre chose. Elle va essayer de trouver le moyen que c'est toi qui paye, Kion. On en a plus. Ce n'est pas comme si ils avaient juste... Alors ça, c'est les autres membres de la brigade SOS, pour ceux qui ont raté un truc. Miku... C'est la jolie Rukin, Yuki c'est celle aux cheveux violets, et Koizumi c'est le beau brun. Voilà, ils ont tous essayé de pas se montrer.
La seconde fois que nous nous arrangeons pour nous rencontrer, le futur de la Brigade SOS est déjà en risque. Est-ce que tu me rappelles qu'est-ce que le nom de la... Est-ce que tu peux me rappeler qu'est-ce que le nom de la Brigade SOS veut dire? Alors, SOS Brigade, ça veut dire... Alors, est-ce que tu écoutes, Kion? Ça veut dire sauver le monde, voilà, en s'amusant avec, avec la brigade d'Haru Suzumiya. En nous, en regardant un peu partout, overloading, en vérifiant, voilà, ça. Allez, l'entre les gars. Ah, la dernière S, ça renvoie à moi. Hein. Et puis, les deux autres trucs, c'est pour sauver le monde en vérifiant ben, tous les trucs, voilà, mais en s'amusant. On a besoin de tous les membres hein, pour le truc, hein, bordel de merde. Hein. Fais chier. Elle est capable, on va dire, de modifier la réalité. Hein, sur un coup de tête, si elle est pas contente. Par contre, elle est pas au courant de ses pouvoirs. C'est pas drôle, sinon, hein. Putain, la musique détente d'ascenseur à chaque fois qui se relance toutes les 30 secondes, ça me fait rire. C'est, alors, sauver le monde, avec un amont descend d'amusement, good enough. Voilà. Ou une bonne attitude, voilà. Oh, ça je... Ah, ma traduction, c'est toujours... J'arrive à comprendre, mais alors vous le traduire... ça couperait pas de pied sous l'air, ben, de s'amuser un peu, bande de con... Voilà, c'est ma traduction. Et l'eau, au centre, il a pas aucun sens, bordel de merde, hein. Alors que... Donc là, là on voit bien Haru Suzumiya, qui peut être odieuse des fois tellement elle est égoïste. Voilà, des fois c'est une saloperie finie, hein. C'est comme Lina Inverse. Ah, les deux, franchement, l'affrontement, je veux voir. Hein. Elle tolère plus d'absence, elle s'en fout si on est malade ou si on s'est fait percuter par une voiture, il faut qu'on se montre. Ça doit... Il doit y avoir tous les membres, hein. Est-ce que t'as compris, Kyo? Et là, Kyo, il fait, bah, y a pas besoin de me le dire à moi, je suis venu. Faut le dire aux autres. Ah, j'ai même payé le café, hein. De rien. Voilà comment elle parle au serveur. Alors, elle a tendance à, on va dire, changer de comportement, voilà, à être on va dire, dure, direct et tout, mais pour une certaine raison, des fois, voilà, elle agit un peu plus cool. Voilà. Voilà, tempérament changeant comme ça. Non, merci. Ah, je vais remercier pour le café au lait, mais pour elle, parce que voilà, il y a un petit moment de break. Ah, avouez quand même, ma traduction est meilleure que sur Rosario, plus tout vampire, hein. Oh putain. Parce que je me suis quand même amélioré en anglais. J'ai obtenu un petit break pour. un petit break. Une petite pause pour nagging. Ah putain, ça, je sais plus ce que ça veut dire. Ouais. À son attitude consente comme ça, hein. Quand elle ne parle pas. Attends. Elle finit ta phrase. Quand elle ne parle pas, pour être parfaitement honnête, j'aurais presque l'impression qu'elle serait vraiment mignonne. Une fille, une lycéenne ordinaire. Voilà. J'aimerais pouvoir arrêter le temps dans ces moments comme ça. Mais brise le quatrième mur aussi. Deadpool, hein. Wade.
Ouais, mais... Ah, c'est pas comme si elle était juste une image statique dans un jeu vidéo. Gladé, c'est limite Kyo, il apparaît sur la caméra d'un coup. Même si je ne dis rien, elle va continuer à faire la gueule comme ça, elle va commencer à faire la gueule, hein, c'est clair, hein, si je lui dis ça. Avant qu'elle revienne à son truc habituel, je ferais mieux de lui dire ce que j'ai en tête. Ah, je sais déjà ce que je vais dire. Ah, ça va être l'heure des choix. Parce que comme tout en roman novel comme ça, faut des choix à un moment donné. Parce que c'est pas drôle sinon. Je pense qu'il y en a pensé. J'ai quelque chose d'important à te dire, donc écoute. Ah, ça va être l'heure des choix. Alors attends d'abord la page de publicité. Ah non, il veut le jeu, hein, les esprits. Alors l'école... Alors, elle peut être extrêmement jalouse, donc on va éviter de commencer par... Hey, Ayashina ou Nagato Koizumi, on va passer pour un gay. Alors, le tutoriel... Ouais, on va parler de ce qui lui plaît le plus dans le lot, la Brigade SOS. Pourquoi pas par Gamé, hein? Je voudrais... Faut faire des... Alors, je voudrais, on va dire, avoir gradué... Ah oh, putain, c'est avoir le diplôme et tout. On va faire des métiers bizarres. Confirmer les objectifs de la Brigade SOS. Ouais, vas-y, on va parler de ça. Eh putain, mais je peux même plus traduire, hein. Bon, ben, démerdez-vous. Bon, visiblement, je peux... C'est pas moi qui est passé, hein, ça se passe tous. Bon, elle fait la gueule. J'ai mal commencé. Eh merde. Ah ben, c'est dur, je vais essayer de m'en sortir. Putain. Alors, est-ce que tu... On va parler de ça. Ouais, elle est contente de parler de mystère. Un fou l'examen. Le vestiaire pour les filles, la salle de bain, les trucs comme ça. Ah, c'est des endroits bizarres où il peut se passer des mystères. Et surtout des pervers. J'aurais pas dû demander. Alors, on va rappeler les objectifs de la Brigade SOS. Ouais, ça lui plaît. On a fait un faux départ, mais là on va mieux. Bon, elle, faut parler de mystère, faut aller dans son sens. Parce que sinon elle va pas être contente. Même si de temps en temps on essaie de lui rappeler la réalité. Je vous vois pas rester. Oh putain, elle est trop contente là. Oh putain, c'est assez chelou. Alors, tutoriel. C'est ça. Alors, ouais, pour devenir plus proche d'un personnage en parlant avec lui, sélectionnez ici, Topi. Alors, oui, sous image, c'est quoi lui dire pour lui rendre heureuse. Après, est-ce qu'on essaiera de faire tout le temps en sorte? Ça, c'est la bonne question. On va essayer d'éviter qu'elle soit non plus triste et en colère, mais en même temps, voilà, donc vous voyez les trucs. Et si je peux lire, vous voyez les trucs.
C'est tout bad, elle pourrait arrêter de parler, truc. Qu'est-ce qu'on peut parler ensuite, Koizumi? Ah, Koizumi, il a des pouvoirs surnaturels. Allez, vas-y, on y va à fond. Ah, comme l'un de ces cartoons. Alors, si vous êtes une bite en anglais, je pense que ce let's play est pas fait pour vous, parce que comme vous pouvez le voir, je peux pas tout vous traduire. Déjà, j'essaye de suivre. J'ai pas tout suivi de toutes les conversations, parce que le texte est pas trop vite, je trouve. Il y a peut-être moyen de réduire ça, je vais peut-être réduire pour le prochain épisode. Essayez de faire pause, Google Trad. Je sais que c'est passionnant à faire ça pendant une vidéo, mais allez, vas-y. Mais en gros, là, on a dit, alors on a décrit les pouvoirs de Koizumi parce que oui, il a des pouvoirs, c'est un esper. Voilà. Alors, on va faire pareil avec tous les autres. Nagato est une alien. Mais oui! Ouais! Une entité. Ah, c'est vrai que le terme est chiant à dire. En fait, le truc qui est assez étonnant dans cette série, vous remarquerez assez vite, c'est le fait que, notamment Haruhi, c'est le fait qu'ils utilisent pas tant de suffixes que ça dans cette série, je trouve, par rapport à d'autres séries, parce que d'habitude, les séries japonaises, il y a les san, il y a les trucs comme ça. Mais alors, surtout Haruhi, elle y va de cash, elle appelle par le prénom ou le nom de famille, mais en général, pas tendance à utiliser de suffixes. Je crois que les autres personnages, Asashina et tout, en utilisent plus. Et voilà, et Kyo aussi s'emballe, c'est vraiment, c'est surprenant. Bon, bah, on va faire aller ça. Viens du futur. Ouais. Je vous explique après. Pour ceux qui ont pas suivi. Ah, ça s'est terminé. Ah bah là, elle doit être contente. Alors, ouais, alors ça me donne tout ça. Bon, j'espère que ça t'es contente. Moi, pas trop. En tout cas, donc on lui a dit tout. Donc, Koizumi est un esper. Miko vient du futur. Du futur. Et en plus, il existe une version qui vient du encore plus futur. Est-ce qu'on la verra? Je sais pas. Ouais, c'est chaud. Et Yuki Nagato. Es-tu une intelligence artificielle, une androïde alien? Voilà, voilà, le truc, c'est compliqué, c'est compliqué. Il faut que je me remate, hein, parce que putain, ça fait un moment que j'ai pas maté. Oui, c'est du mien. Ouais, c'est ce que je viens de te dire. Oui, oui. C'est pas ridicule. Alors pour être honnête, je comprends sa réaction. Si quelqu'un me disait des trucs comme ça, bon déjà je finirais à l'asile de fou. J'aime bien la musique derrière. Réagirait de la même façon. Alors, Kion, tu m'écoutes vraiment attentionnellement. Alors, donc les voyageurs dans le temps, les aliens, voilà, les voyageurs dans le temps, et les gens avec des super pouvoirs, et ils pop pas juste comme ça et on les trouve pas aussi facilement.
On doit les chasser, les attraper, voilà, les piéger, les attraper, par le cou s'il faut, pour pas qu'ils s'enfuient. Voilà, comme du gibier, voilà. Ah, tu dois vraiment faire te battre contre eux, ça va être chaud, il doit y avoir un affrontement, voilà. Ah, il veut... Alors, si tu dis que c'est que les membres choisis de la brigade sont si extraordinaires, il n'y a pas moyen, hein. Alors, même si je lui dis la vérité avec un ton complètement sérieux, elle l'a pris pour une blague de mauvais goût. À la fin, oui, elle a complètement oublié sa règle et tout. Elle a fini par payer la table, littéralement. c'était une vaste perte de temps et d'argent. C'est la joie! J'adore les musiques de ce truc. Souvent, elles sont utilisées dans le JDG aussi, si vous faites gaffe. Certaines. Non, la série. Bon, en regardant en arrière, à partir de maintenant, j'ai le sentiment que quelque chose s'est passé et que c'était, voilà, pour avoir été le résultat de notre petite conversation, voilà, en arrière. Tout a changé, je pense, à ce qui s'est passé 5 mois après que nous avons parlé ce jour-là. Notre vacances d'été qui arrive à la fin et donc les festivals du sport. Alors voilà le festival de la culture qui est arrivé après, qui a suivi les jours. Le calendrier a marqué ce temps de l'année comme s'il tombait. Et peut-être que ça voudrait dire qu'on est toujours en été, et s'il n'était pas si chaud ce jour-là. Je traduis très bien Vogel.